Pour l'instant, je crois que le soleil fait un peu le contre-jour derrière. On va pas s'en plaindre. Comment je peux le mettre? Une séance d'étirement, d'accord? Je vous souhaite une belle journée et on y va. Donc pour l'instant, on va toujours placer nos pieds, pardon, nos jambes écartées largeur du bassin. Coucou Marina. Donc je pose mon talon contre mes orteils et je pivote ici. Très bien. Ici, je m'ancre dans le sol, je fléchis légèrement les deux jambes et je lève les bras. Je prends une grande inspiration et je tire vers le haut. C'est pas une respiration pilate comme d'habitude, d'accord? Allez, je relâche. Encore, j'inspire. Et j'étire. Encore, inspire. Étire. Encore. Encore deux fois. On inspire. Et on tire. Dernière fois. Inspire. Et souffle. On va relâcher un bras. Et on va pousser sur le côté. Je reste ici, j'inspire et je continue. Inspirez et souffle. Encore, inspire. Tu peux caler cette main contre ta jambe et tu souffles. On ramène, on monte le bras. On souffle. On relâche ce bras, on inspire et inspire et souffle. Encore inspire et souffle. On ramène, on pose une paume de main contre l'autre et celle du dessous pousse la main vers le haut. Non, je ne cambre pas mon dos, d'accord? Moi, c'est ma courbure naturelle. Je tire vers le haut et je suis ancrée dans le sol avec mes deux pieds. Jambes légèrement fléchies. J'étire, 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 j'étire. Je relâche doucement. Je change la paume de main qui est vers le haut. Et même chose, j'essaie d'étirer. C'est ma main du bas qui pousse celle du haut. Encore. Légèrement avant, mais j'ai mes deux pieds ancrés dans le sol. D'accord? Je recule pas trop par rapport au soleil, mais je vous montrerai mieux après. J'ancre vraiment mon pied arrière dans le sol et la jambe avant, toujours je fais attention à mon genou qui ne dépasse pas mes orteils. Je viens ouvrir mes deux bras sur sur l'avant ici. Très bien. Et ici, je vais ouvrir un seul bras. Je suis du regard cette main. Je ramène et je change. Je vais chercher le plus loin possible derrière, encore. Il y aura toujours un truc qui dérange. Là, c'est le soleil. On n'a pas le droit de dire que le soleil nous dérange quand même. Bon, je me rapproche. Hop, là, c'est fini. Encore. Et on souffle. Vous allez là où votre tête peut accompagner votre bras, d'accord? Non, j'accompagne et je vais là où mon menton, tout mon visage peut suivre ma main. Et bien sûr, ça, ça reste ancré, ça ne bouge pas. Encore. Encore une fois de chaque côté. Thank you.
marche. On vient pousser. C'est toujours... Je vais changer ma jambe avant. Pour pas que ça me tire dans les jambes pour l'instant. L'idée que ça peut étirer la jambe arrière, tant mieux. Je suis vraiment ancrée dans le sol au niveau du talon. Ici, je repousse mes deux bras derrière. Je suis ici, d'accord. Je pousse mes deux bras derrière. Et j'ai ma tête dans le prolongement de mon dos. Je reste ici et je vais essayer de pousser mes bras vers l'arrière, tendu. J'inspire. Et je souffle, j'essaie de monter. J'inspire. Et je monte. Inspire. Et monte. Le soleil est encore gênant. Il vous gêne le soleil ou pas? Dites-moi, celle qui regarde. Coucou, salut les filles. Gêne ou pas? Salut Lissi. Est-ce qu'il y a le soleil derrière? Dites-moi. Salut ma 4-4 Marie, Aurélia, ouh. Très bien, donc je recommence ici. Ah, c'est quand même bon. J'essaie de vous mettre différemment. Comme ça serait mieux. Non, pareil. Bon, je suis désolée, je vais vous donner la jambe. Hop, je vais me mettre comme ça. C'est mieux là? Ouais, c'était mieux. Allez. Je vais mettre mes pieds aussi ici. Très bien. Là, je vais ancrer mes deux pieds dans le sol. Enfin, mes orteils regardent dans mes max. Très bien. Ici, je suis vraiment. Je l'ai deux jambes tendues. Travail d'équilibre. Je repose et je remonte. Encore. Encore. Je reste ancrée avec la jambe arrière, j'avance la jambe avant. J'enfonce mon talon dans le sol. Celui-ci reste enfoncé. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Coucou Magali. Je reste ancrée ici, je plie cette jambe, très bien. Et même chose, je remets le bras vers le ciel et je souffle, je les pousse comme si je voulais enfoncer avec mes mains vers le sol. Et ça doit étirer dans la jambe arrière ici. Et tu souffles. Encore, inspire. Et souffle. Encore. Inspire, tu restes ici. Tu gardes cette jambe ancrée dans le sol, celle-ci fléchie vers l'avant. Et tu pousses ton poids du corps vers l'avant. Bras tendus, tête étirée, dents entre les deux bras. Attention à ne pas tomber en avant. Ici, je garde mon dos, mon buste. Et mes bras dans le prolongement. Sur mon genou, troisième jambe, j'enroule complètement et je vais. Seulement, je change de jambe. Mes deux pieds sont bien ancrés dans le sol, mon talon. Très bien. Et on fait la chose ici. Donc, vous entièrement derrière, poids du corps sur les deux jambes, j'insiste. Ici mon genou est au-dessus de mon talon, d'accord? Allez, et je souffle, je plie les bras, je repousse ici, vraiment, pour l'instant je pousse ici, encore, et ma tête reste en prolongement de mon dos, encore. Je reste ici et je pousse en avant, le plus loin possible, sans plonger les bras, sans plonger la tête, sans arrondir mon dos. Ici, je descends là où je peux maintenir la position et je souffle.
Quand je dis je souffle, j'aimerais que vous ne restiez pas en apnée, c'est tout. On ramène la main sur la jambe avant. On ramène le parallèle, les deux mains sur les genoux. Et on enroule le dos pour se redresser tranquillement. On reprend. On reprend tout doucement. On reprend la première jambe ici. Donc toujours, talon ancré dans le sol, jambe fléchie. Et je maintiens, j'essaie de m'auto-grandir, dos, tête. Ici, je repousse, je resserre mes omoplates et je tire derrière. Encore, inspirez. Et quand on souffle, on essaie d'aller plus loin. Encore. Encore une fois. On relâche. On change la jambe arrière. Talon toujours ancré dans le sol. J'insiste. On y va. On inspire. Mon dos, il est légèrement penché vers l'avant. Mais il est droit. Je ne l'arrondis pas du tout. J'étire ici. Je m'auto-grandis. C'est-à-dire, vous pouvez ancrer vos mains dans les hanches ici, qui vont ancrer votre pied dans le sol, et votre tête, elle s'étire vers le plafond en descendant vos épaules. Puis ici, je lâche les mains, j'inspire, et je souffle, je bloque derrière. Je resserre mes omoplates ici, encore. Et on souffle. Encore. Ça, c'est bien pour les personnes qui ont tendance à se tenir voûtées ici. Inspire, et souffle. Encore. Et on relâche au niveau de la jambe. Coucou Blandine. Coucou Monique. Ah, Benjamin Dumas, vous regardez. Coucou. Dis à ton papa que je suis pas toujours allongée, que je fais des choses debout. Salut Nina. Coucou Alexandre. Alors ton nom, il fait beau? Je suis toute seule à vous parler. Voilà. Parce que bon, vraiment, ce que je préfère, c'est vous avoir en face de moi. S'il y en a plein d'habitude. Bref, j'arrête de parler. Alors, pardon. On va placer les jambes écartées, pointe de pied en ouverture. Et on va fléchir légèrement les genoux. Très légèrement. D'accord? Je ne suis pas en squat. Hop, je suis juste déverrouillée au niveau de la cheville. Je garde un bras le long de la jambe. Je monte ce bras vers le ciel. Et là, je m'étire. Je vais chercher haut ce bras, sans monter ici. Hein. Je garde mes jambes légèrement fléchies. C'est ce bras qui monte vers le ciel. Et j'inspire, je vais pousser sur le côté. En restant sur le même plan, d'accord? Je ne pars pas en avant et je ne pars pas en arrière. Encore. Vous prenez plusieurs respirations et quand vous soufflez, vous descendez. Et on souffle. Encore. On ramène tranquillement. On prend le bras vers le ciel et on reste ici. Encore. Et même chose, on va pencher. Je le redis, hein, c'est une séance d'étirement aujourd'hui. Et on relâche. Toujours dans la même position, légèrement fléchie. Et là, vous allez attraper les bras. Pousser les bras vers l'avant. Arrondir, je repousse ma cage thoracique, je repousse le ventre. Le bassin ici, tac. Et j'étire mon dos, je rentre ma tête. Mes jambes ne poussent pas vers l'avant. Hein. J'essaye de basculer le bassin et j'étire mon dos ici jusqu'au haut des épaules. Rentrez votre tête entre les deux bras. Je redis, je ne pousse pas les genoux vers l'avant, je suis fixe ici et je pousse loin derrière. On remonte les jambes et on reprend cette
posture-là. Et on souffle. On bloque, on serre les fessiers et on enroule au niveau du dos et on repousse les bras. Je repousse mon ombril loin derrière. Celui-ci, il est très intéressant pour ceux qui font du... Serrez les fessiers, engagez tout ça, rentrez le ventre et repoussez la tête et les bras loin devant. Dernière fois. Et on relâche. Je vais amener un pied en ouverture vers vous, d'accord? Ici, je vais descendre. J'ai mes jambes tendues, la jambe arrière, elle est aussi tendue. Mon pied, il a la perpendiculaire. Je mets comme ça, vous voyez? Là, celui-ci, il a la perpendiculaire. Celui-ci regarde vers vous. Mes deux jambes sont tendues. Très bien. Je place une main sur chaque cuisse et je descends vers la jambe basse. Je descends là où je peux aller. Et je fais attention à ce que mes deux jambes soient tendues. Je plie la monte doucement mes cuisses. Et la même chose, je vais rester dans cette position, mais je vais vous demander et arrondissez ici vos épaules. Dans le prolongement de la colonne vertébrale. Mes mains restent sur mes cuisses. Mes jambes. J'inspire. Je reste. Je me grandis. Et je souffle. Quand je fais ce mouvement-là, mes jambes ne bougent pas du tout. Dos. Encore. Inspire. Encore. Encore. Votre tête suit votre colonne vertébrale. Dos là, vers le ciel. Je parle de ça, elle est orientée vers le ciel. Et là, comme je vais enrouler, tac, tac. Ma tête, c'est pas ma tête qui dirige le mouvement. Encore. Et doucement, on redresse. On va faire l'autre jambe. Donc, même chose. Ce pied-là, on regarde vers vous. Je pars de talon à talon. Je recule l'autre jambe. Mes deux jambes sont tendues. Très bien. Ici, mon pied, lui, il est perpendiculaire à l'autre. Je garde mes deux mains sur mes cuisses, j'inspire ici et je tourne la jambe avant le plus bas possible. Souffle encore. On plie la jambe avant et on remonte tranquillement. On fait ça 4 fois. Je retends ma jambe, j'inspire ici. Et je souffle. Je regarde vers le bas. Et je laisse le poids du corps agir. Je plie la jambe avant. Et je remonte. Encore. J'inspire. Et je descends. Je plie la jambe, je pivote cette dernière, je remets, mes deux pieds sont parallèles maintenant, je remets mes deux jambes ici, et là je vais vous demander d'enrouler, d'étendre vos jambes, donc presque vers l'arrière ici, et j'étire mon dos, je tends mes bras, et je tends mes jambes,
Je pousse mon poids du corps vers l'arrière. D'accord? Vous devez avoir tendance à vouloir décoller vos orteils. Et je reste droite ici. Donc droite, quand je dis droite, ça ne veut pas dire vers le plafond. C'est que mon dos, il est droit, penché vers l'avant légèrement. Et mes mains, j'essaie de les avoir dans le prolongement de ma tête. Je ne plonge pas les bras vers le sol. Et j'étire. Vous poussez un bras vers l'arrière, l'autre vers l'avant. Sans bouger votre dos. Je change. Essayez de descendre vos épaules, étirez la tête. Encore, je change. Une fois de chaque côté, je reste deux respirations. Pensez à descendre vos épaules. Poussez le poids du corps vers l'arrière. Je change. Je ramène mes mains sur mes genoux. Je plie les jambes. Je ramène mes pieds l'un contre l'autre ici. Place face à vous. Le dos, les épaules et la tête. Coucou Mathilde. Nini. Alors, salut. Salut, bon petit-déj. Mais celle-ci, je l'enregistrerai après. Alors, pour l'instant, vous allez garder vos deux pieds bien ancrés dans le sol et je vais croiser une jambe vers l'arrière. D'accord? Ici, si vous n'êtes pas stable, vous pouvez faire un écart plus important. D'accord? Et ici, je vais avoir ma jambe avant. Du coup, qui est légèrement fléchi par rapport à l'autre. C'est pas grave. Je redis, soit vous décalez un peu plus. Ici, je viens caler mes mains contre mes jambes. Là, le mouvement va partir de la tête. J'enroule la tête, mes épaules, et je descends lentement vers le sol. Mes deux mains viennent vers l'avant. Je ne les relâche pas complètement, mais je viens tenir ma jambe avant. Et j'essaie de tendre ma jambe arrière. De tendre aussi ma jambe avant. Les étirements là, ils sont derrière les jambes. Et la jambe avant, basculez le poids du corps vers l'avant, décollez le talon avant et enfoncez la jambe arrière dans le sol et descendre le poids du corps vers l'avant. Normalement, les jambes se font plus ressentir. Pied, on plie légèrement les deux jambes et on accompagne avec nos mains. Doucement, vraiment tranquillement, reposez, faites attention à votre dos. Je fais la même chose sur l'autre jambe. Ici, je me mets face à vous. Du coup, vous allez voir mes épaules, mais tant pis. Donc, je redis ici, vous croisez vos deux jambes avec un écart plus ou moins important si votre stabilité est moindre. D'accord? C'est vous qui voyez par rapport à vous. Ici, je démarre, jambes décontracté, mes mains sur mes cuisses, le mouvement il part de la tête, j'enroule mes épaules et je descends tout doucement. Vous contrôlez ce mouvement, je descends, pas besoin de le regarder, vous descendez, vous gardez vos mains sur votre jambe avant, on essaie de tendre les deux jambes et on laisse le poids du corps agir et nous emmener le plus bas possible. On ne force pas l'extension des jambes et on ne fait pas d'à-coup, jamais d'à-coup pour descendre. Va accentuer votre étirement. Profil. Ici. Je vais fléchir la jambe. Je vais amener en décollant le talon. Passe. La hauteur. D'accord? Je suis comme ceci. Vous pouvez poser vos mains sur quelque chose. Ça dépend de votre souplesse. La chaise est peut-être un peu haute, mais si vous avez un coussin, n'hésitez pas. Et ici, je décolle et je reste. J'essaie de tendre la jambe arrière, d'enfoncer mon talon dans le sol, mes orteils ici et mes mains vers l'avant. Et là, je souffle et j'essaie de descendre vers l'avant. Je descends vers l'avant, gardant mon pied en contact avec le sol. Je pose
jambes et je remonte tout doucement mon dos, mes épaules et ma tête. Très bien. Ici, on va écarter un peu plus. D'accord ? Mes pieds restent parallèles l'un à l'autre. Donc, je vous montre de face. Ici, mes pieds restent parallèles l'un à l'autre. Mais j'écarte le plus possible. Très bien, je laisse le poids du corps m'accompagner. On va étirer l'intérieur des jambes. On laisse glisser, tout doucement. Quand je ne peux plus descendre, et avant de tomber, je pousse les fesses vers l'arrière et je pousse mon buste vers l'avant. J'essaie d'être parallèle au sol. Même chose, ma tête, cette partie-là, vous la poussez vers l'avant. Vous poussez les talons loin derrière. Et on reste ici sans arrondir le dos vers le sol. L'autre bras vers vous. Je repousse le bras et je tends l'autre. Et je ramène mes deux jambes. J'étais trop étirée. Très bien. Car un peu moindre maintenant. Je plie une jambe. Pour vous, c'est droit ou gauche? Quelqu'un peut me dire quand je suis en face de vous? Bon, on s'en fiche. Ici, on descend. L'idée, c'est d'étirer à l'intérieur de la jambe. Très bien. Sans mettre tout le poids du corps sur cette jambe-là, sinon c'est votre cuisse qui va plus travailler. Je pousse les fesses vers l'arrière et je repousse cette hanche vers le talon ici. Puis je me penche et j'étire. Encore. 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 On ramène, on plie l'autre jambe. Mes pieds restent parallèles l'un à l'autre. Je pousse les fesses vers l'arrière et je pousse cette hanche vers le talon de l'autre jambe. Ici, pour étirer à l'intérieur de la cuisse. Je cale cette main contre moi. On garde les deux jambes fléchies, un peu moins écartées peut-être. Très bien, on va reprendre une torsion. Je joins mes bras, mes mains restent collées l'une à l'autre. Un pivot ici, ma tête reste dans le prolongement de mes mains. La main droite ici, je vais dire que c'est ma droite, hein, je ne sais pas pour vous. Et je pousse derrière, je ne regarde pas, je regarde loin devant. Mon bassin est pas accompagné avec les jambes, ça c'est fixe, ce bras là il va là où il peut et l'autre il va loin derrière, je le regarde pas celui-ci, je regarde en face de moi et j'étire ce bras loin. Encore. Encore. Il y a une action sur ce bras là, d'accord, celui-ci il va loin mais vous le regardez pas, vous vous êtes fixé à l'autre bras qui n'accompagne pas. Si j'accompagne, je vais bouger mon bassin. Encore. Encore. On ramène, les deux mains sont au centre, d'accord. Je pousse mes deux mains ici, je regarde avec ma tête. Ce bras-là ne bouge plus et l'autre va loin vers l'arrière, sans le regarder. Et c'est pas grave s'il n'est plus dans votre vision périphérique. Vous vous regardez en face de cette main qui a pivoté au départ. On inspire et on souffle. Le bras qui est derrière va loin derrière. J'insiste, mes jambes, mon bassin sont fixes et ma tête reste au-dessus de la main qui ne bouge pas. Encore, j'inspire et je souffle. Encore. Et je souffle. Encore. Et on ramène. On refait ça de l'autre côté. Mes épaules étaient tirées. Mon bassin. Mes pieds sont aussi ancrés dans le sol et je suis légèrement contractée, d'accord, pas trop basse.
faut pas faire trop de squats. Ici, j'inspire et je pivote. Tête et bras, mes mains ne se décollent pas, sont à la même longueur. Là, je suis plus longue. Là, ça bouge pas. Mais... je regarde moi. Je me grandis. Et j'ouvre le bras. Je reste ici, mais au cas. Encore. Dernière fois. On ramène ce bras, on ramène les deux mains. Et on change. Inspirez. Essoufflez. Épaules basses, tête étirée. Inspirez. Je lâche l'autre bras, mon regard reste fixe ici. Mon bassin, si j'insiste, ainsi que mes genoux. Inspire. Et souffle. Encore. Encore. On ramène. On ramène les deux bras. On plie et on relâche. Très bien. On va venir au sol maintenant. Continuer la séance. Je tournerai de temps en temps. On va démarrer assise sur son tapis. Assise ou assis, pardon. Ici, je vais vous demander de descendre vos jambes tranquillement et de vous grandir. Ceux qui sont mieux assis sur un petit coussin, n'hésitez pas à le prendre. Donc je change. Ça va dépendre de votre souplesse. La critique. Donc si on n'est pas très souple des ischios ici, on peut s'asseoir sur un petit coussin. Vous verrez que vous serez tout de suite mieux assis. D'accord? Et ici, on vient tendre nos jambes. Donc si on arrive, l'idée c'est que vous soyez dos droit. D'accord? Si assis, vous êtes plutôt vers l'arrière, c'est un repère. C'est pas grave. C'est parce que vos ischios ils sont pas assez étirés. Donc on n'hésite pas à s'asseoir sur un petit coussin. Ici, j'ai mes jambes tendues et je vais ici placer une main sur le côté au sol. Elle reste à côté de ma fesse. Je pousse un bras vers le ciel ici et les deux mains vont avoir une action, c'est-à-dire celle-ci va pousser sur le côté sans décoller ma fesse du sol et l'autre se penche dans le prolongement. Cette main-là, elle est en appui dans le sol, elle est tendue. Et ma fesse ici, elle s'écrase dans la terre. Avec cette main-là, je ne pars ni vers l'arrière, ni vers l'arrière. Je suis dans le même alignement que hanche-main. Encore. On ramène contre ma hanche, au sol. Ma main qui est au sol est à plat, d'accord? La paume de main complètement à plat. Je ne vais pas plus loin sur le bout des doigts. Non, je dois pouvoir garder ma main à plat. Et ce bras-là, il s'étire sur le côté, alors que cette fesse s'ancre dans le sol. J'insiste. Encore. Encore. La main écrase le sol, la main pousse vers le ciel et la fesse s'écrase dans le sol. Très bien, on a...